Chers amis, chers paroissiens de Saint-Just, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo hebdomadaire, à la fois pour vous donner quelques nouvelles et puis aussi pour vous en demander. Donc d'abord, nous espérons que vous allez bien. Les échos que nous avons sont plutôt encourageants. Très peu d'entre vous ont été touchés par le corona, ou en tout cas ceux qui ont été touchés l'ont été plutôt, on va dire légèrement, enfin pas gravement du moins. Donc c'est pour nous déjà une grande source de joie et d'action de grâce. Continuons bien sûr à être bien vigilants et à rester bien confinés, parce que, semble-t-il, c'est le seul moyen matériel et humain qui soit efficace pour éviter l'expansion de cette cochonnerie. Nous nous apprêtons donc à vivre la Semaine Sainte, qui sera une Semaine Sainte peut-être unique dans nos vies, historique, puisqu'il y a eu très peu de cas, en tout cas en France depuis des siècles où cela s'est passé, de vivre une Semaine Sainte en confinement, encore moins bien sûr chez soi et derrière un ordinateur, et pour nous prêtres de vivre une Semaine Sainte sans fidèles, avec des moyens très réduits. Eh bien, il faut l'offrir au bon Dieu. Il ne faut pas s'en scandaliser. Le bon Dieu nous envoie cette épreuve d'une certaine manière pour nous purifier et pour nous rendre meilleurs et pour nous aussi nous faire prendre conscience de la grandeur et de la beauté de la liturgie catholique. Et souvent, on entend dire « Oh, mais à Saint-Just, il fait froid pour ces longs offices, c'est trop long, il y a trop de ci ou trop de ça. » Eh bien, là, nous allons prendre conscience que finalement, le froid de Saint-Just nous manque, que la longueur des cérémonies nous manque, parce que la beauté de la liturgie est incomparable quand elle est vécue dans son cadre naturel. Comme vous le verrez dans la lettre de nouvelles, nous avons un petit peu bien sûr adapté les horaires, mais aussi les propositions de la Semaine Sainte. Quoi qu'il en soit, vous pourrez suivre tous les offices de la Semaine Sainte en direct via Facebook ou peut-être YouTube. On a quand même pas mal de problèmes. On vous a fait encore une fausse bonne nouvelle en vous disant que ça y est, c'était réglé, mais finalement rien n'est réglé. Donc on continue toujours à y travailler, mais les choses sont compliquées. Donc vous pourrez suivre tous les offices de la Semaine Sainte, du dimanche des Rameaux, en passant par le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint et le dimanche de Pâques, en direct donc sur notre page Facebook ou alors via YouTube. Nous chanterons aussi cette année les trois jours, les ténèbres. Donc nous chanterons les ténèbres selon l'ancienne, bien sûr, façon de le faire, du jeudi saint, le mercredi saint au soir, celle du vendredi saint, le jeudi saint au soir, et celle du samedi saint, le vendredi saint au soir. Voilà, chers amis, nous mettrons donc tout en pratique pour essayer que vous puissiez vivre la Semaine Sainte presque normalement. Faites des efforts aussi pour bien suivre ces offices, si vous les suivez, le chemin de croix en particulier le vendredi saint. Ne vous laissez pas aller, et que cette Semaine Sainte, eh bien, soit tout de même, pour nous tous, une belle Semaine Sainte, en tout cas, une Semaine Sainte qui restera gravée dans nos vies pour toujours, parce qu'elle sera peut-être unique. Alors, chers amis, nous vous donnons rendez-vous dimanche pour la messe des Rameaux, où nous bénirons, eh bien, des rameaux qui vous seront donnés lorsque le temps le permettra, peut-être symboliquement, un petit rameau, parce qu'on peut pas non plus, on n'en a pas eu non plus des milliers, bien évidemment. Nous vous donnons donc rendez-vous dimanche à 10h pour la messe des rameaux, et puis ensuite, bien sûr, pour tous les autres offices de la Semaine Sainte. Alors, que Dieu nous garde, que Notre-Dame de Fourvière veille sur nous, et que notre grand Saint-Just nous protège. Haut les cœurs, chers amis, et bonne Semaine Sainte à tous.